À travers notre projet Smart Agriculture, ce que nous voulons faire, c'est changer le mode d'opération des producteurs. Mais il fallait avoir une base d'informations qui soit suffisamment solide scientifiquement, sur laquelle nous pouvions nous appuyer pour nos différents projets que nous allions mettre en place. Donc à partir de janvier 2015, nous avions fait un état des lieux de la situation de la production vivrière à Maurice. Cet état des lieux s'est fait par une enquête sur le terrain d'environ 300 agriculteurs qui devaient être représentatifs de la production agricole à Maurice. Ces 300 agriculteurs sont situés dans toutes les zones de production de Maurice, ciblent les légumes prioritairement produits à Maurice, nous en avons identifié 11. Et dans cette étude, nous avons fait un questionnaire où nous avons approché donc ces 300 agriculteurs. Le questionnaire était suffisamment vaste pour nous permettre d'avoir un maximum d'informations tout en se disant qu'il aurait pu être amélioré, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'avoir été un premier jet d'informations qui soit nécessaire pour qu'on puisse mettre en place des actions suivantes.